Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes partis pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction, évidemment, avec notre invité du jour. Vous allez le voir, un comédien sans égal qui accompagne notre soirée pour notre plus grand plaisir depuis près de 20 ans maintenant déjà à la télévision. Sa carrière est longue comme le bras. Vous l'avez aperçu dans des fictions à succès comme Le juge est une femme, Sud lointain, Joséphine Ange gardien et j'en passe. Vous l'avez découvert au cinéma pour certains dans Code inconnu aux côtés de Juliette Binoche ou plus récemment adoré dans la série Mafiosa, une série culte diffusée sur Canal+. Et s'il vient nous voir ce matin sur ce plateau, c'est pour nous parler d'un tout nouveau rôle qu'il va tenir. Vous allez voir qu'il est assez singulier. Bonjour Thierry Novick. Salut, bonjour. Merci de nous rendre visite. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir ici. Coup de foudre à Saint-Pétersbourg. C'est le titre du nouveau téléfilm de la collection Un coup de foudre à sur TF1. Ce sera ce soir, 21h05, sur la Une. Vous interprétez un gérant d'un parc d'attractions situé en Russie. Avant qu'on commence et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, déjà une question métaphysique pour vous. Thierry Novick. Ah oui. C'est quoi un coup de foudre? Comment vous définiriez un coup de foudre? Ouf. Et en avez-vous déjà eu dans votre vie, des coups de foudre? Un coup de foudre ce qu'on appelle un vrai coup de foudre, quoi. Oui, j'ai dû en avoir. Je pense qu'avec le temps, en vieillissant, on est moins apte au coup de foudre et qu'on est plus réfléchi et qu'on fait plus gaffe. Passer 30 ans, c'est fini, il n'y a plus de coup de foudre. J'ai l'impression. Non, le coup de foudre, oui, c'est le tonnerre, c'est l'éclair, c'est... voilà, vous êtes pris. Premier regard, c'est ça, quelque chose. C'est le premier regard, vous êtes envahi, vous tremblez, vous ne savez pas, vous ne savez plus, voilà. Un coup de foudre, c'est ça. Et ce soir, il sera à Saint-Pétersbourg. Hein. Vous avez vu, Thierry Novick a été victime du coup de foudre. Et il va vous raconter comment ça s'est passé, presque entièrement, puisqu'il faudra évidemment garder pour la fiction de ce soir. On est en direct, je le rappelle, sur Figaro Live, sur tmag.com et bien sûr sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez lui poser toutes vos questions. Presque toutes. Quel regard vous portez sur sa carrière? Avez-vous regardé les précédents coups de foudre? Dans quel rôle l'avez-vous préféré? Cinéma, télévision? Vous avez des remarques, des questions et même des suggestions, pourquoi pas, des choses dans lesquelles vous aimeriez le voir. Vous n'hésitez pas, il répondra à vos questions après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Thierry. Salut. On démarre tout de suite ces news médias avec les audiences. Qui est arrivé premier hier? Eh bien c'est TF1 qui enfile la médaille d'or grâce la première à la... fois cette semaine je crois, ils n'ont jamais été premiers. Exactement, oui mais vous savez là il y avait Good Doctor et contre Good Doctor on ne peut rien faire. La troisième saison de cette fiction américaine portée par Freddie Highmore a rassemblé 4,2 millions de fidèles, 18,1% de part d'audience. À titre de comparaison c'est 1,5 million de téléspectateurs de plus qu'M6 qui poursuivait son concours de gâteaux et le meilleur pâtissier, vous savez, animé par Julia Vignali. Sur la troisième marche du podium, on retrouve France 2 et la cinquième saison. Ça ne bouge jamais. Ah, ça ne bouge jamais. Toutes les semaines, c'est la même audience. Exactement. C'est vraiment le plus fidèle des pâtisseries. Exactement. Et toujours un super score d'ailleurs sur la cible prioritaire des femmes responsables d'achat des moins de 50 ans. Vous savez qui est la cible prioritaire d'M6. Sur la troisième marche du podium. Exactement, ça c'est important. Le service public quand même sur la troisième marche du podium avec la suite de la cinquième saison de la série hospitalière Nina portée par Annelise M qui gagne quand même plus de 300 000 téléspectateurs sur une semaine, ce qui est pas mal. Et enfin, on termine avec voilà, la note un peu négatif de la soirée qui est signé RMC Story cette fois-ci. La chaîne du groupe Altice diffusait l'épilogue de la série britannique Le Prix du Silence qui se termine, on va dire, dans l'indifférence générale, comme vous pouvez le constater à l'écran. Puisque c'est moi, je vous avais pris un flop aujourd'hui. Il faut de temps en temps, Nicolas. Ouais. Il faut. 0,3%. Ouais, je pense que là, on est dans la marge d'erreur médiamétrique. C'est un peu compliqué. Thierry, quel genre de téléspectateur vous êtes quand moi, vous ne tournez pas vous-même? Qu'est-ce que vous regardez? Je suis très impressionné par ce débit hallucinant. C'est vrai, oui, vous savez, moi, je prends du café le matin. Chasse de café. Damien arrivait depuis 3 heures déjà. Ah bah, pardon. Non, je disais, quel genre de téléspectateur vous êtes quand vous ne tournez pas? Vous regardez la télé, vous regardez des fictions, vous êtes plutôt comme beaucoup sur les nouvelles plateformes, Netflix, Amazon aujourd'hui. Oui, oui, évidemment, je suis sur les nouvelles plateformes, je regarde, je me suis mis aux séries parce que je n'étais pas très branché fan de séries, mais je m'y suis mis. Oui, puis je regarde beaucoup de films que j'ai pris en retard, soit en VOD ou sur les plateformes, voilà. Mais moi, je ne suis pas un spectateur régulier. J'ai des grandes phases où je peux regarder beaucoup la télévision, d'autres où elle n'existe pas. C'est très variable. Mais c'est quoi, par exemple, vous pouvez regarder aussi bien des divertissements... Ah, tout et n'importe quoi. À la Mask Singer ou des trucs, des documents. Je peux regarder tout et n'importe quoi, et toutes les chaînes. ça dépend vraiment de l'humeur. Je n'ai pas de cible précise. En série, vous êtes quoi, plutôt américaine, française, un peu de tout? Vous essayez de... J'avoue que je suis un peu plus série américaine, ouais. J'avoue. Mais avec les plateformes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant. Bah, il y en a des tartines, ouais. Ouais. Donc, je me suis mis à ça et c'est vrai que c'est addictif, quoi. Ouais, c'est vrai. Et il y en a on des. On peut passer des nuits blanches avec ces conneries. Je sais. Exactement. Damien vient de le prendre. Il ne dort plus. Je dors plus. C'est pour ça que j'ai un débit costaud. Il a des fiches depuis 2 mois. On le reconnaît plus.
On continue, Damien, c'est News Media avec le CSA qui a été condamné hier à verser plus d'un million d'euros à C8. Ah oui, alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le CSA va devoir mettre la main au porte-monnaie hier après-midi. C'est surtout notre porte-monnaie, parce que c'est public. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Oui, d'une certaine manière, nous allons devoir la payer, c'est cette petite amende. Effectivement. Mais il n'en avait pas pris 3 au départ à C8 ? Si, je crois. Oui. Si, ouais, exactement. Il avait mis 3 millions d'amende et ils vont récupérer. Oui, c'est ça, ils vont récupérer une quand même, hein, C8. Oui, l'un voilà. dans l'autre. Alors, on va vous faire un petit rappel des faits. Hier après-midi, le Conseil d'État a condamné le gendarme de l'audiovisuel à verser 1,1 million d'euros à la chaîne du groupe Canal. Une décision qui signe la fin d'un long bras de fer entre le CSA et C8. Alors, petit rappel des faits, fin 2016, l'animateur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, prend les rênes d'une émission spéciale caméra cachée baptisée La Grande Racera. Il diffuse une caméra cachée au cours de laquelle il fait mine de tuer quelqu'un sous les yeux de Mathieu Delormeau, qui est l'un de ses chroniqueurs. Dans son scénario bien ficelé, l'animateur producteur de TPMP supplie son partenaire de se dénoncer à sa place à la police. Et ce n'est que le lendemain que Cyril Hanouna va enfin révéler le fait que c'était une caméra cachée. Alors, cette séquence, forcément, elle a choqué de nombreux téléspectateurs, générant de nombreux signalements. Et en juin 2017, le CSA rend sa décision et prive C8 de publicité pendant une semaine de diffusion de Touche pas à mon poste. Ça prive évidemment la chaîne de revenus publicitaires considérables, effectivement. Ouais. Un an plus tard, le Conseil d'État annule cette sanction. Et derrière, forcément, C8 demande réparation, demande plus de 4 millions d'euros en guise de compensation financière suite au manque à gagner. Et finalement, c'était hier, donc, le Conseil d'État a estimé que le manque à gagner était à hauteur de 1,1 million d'euros. Vous regardez ce genre d'émissions, Touche pas à mon poste, quotidien, des émissions un peu comme ça, polémiques, Thierry ou... C'est pas des heures où je suis devant la télé, en fait. Mais après, ça m'est arrivé sur des petits bouts de voir, mais c'est pas des émissions que je regarde forcément. Vous avez quoi, des polémiques, des buzz, des clashs, j'imagine, c'est ça, parce que il y a beaucoup, beaucoup ça dans ce genre d'émission, non ? Ouais, c'est beaucoup ça, mais ça peut me fatiguer assez vite, en fait. Ouais. dans le main, dire le contraire, et machin, donc, je suis pas super fan. Après, je comprends que ça cartonne et que les gens regardent, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout le créneau horaire, moi, je ne suis c'est pas compliqué. Forcément devant la télé à cette heure-ci. Et invité, vous pourriez aller dans ce type d'émission ou oui, pourquoi moins... pas. Pourquoi pas. Quel genre d'émission vous aimez aller? Plutôt Anne-Elisabeth Lemoine sur C'est à vous que Hanouna ou Barthez, j'imagine ou... Ouais, parce que déjà, sur C'est à vous, bah, on dîne. On fait pas semblant de dîner, c'est pas un fantasme. Bah, moi, je l'ai déjà fait, j'ai dîné. Hein. Et c'est pas mal, c'est assez bon. Et c'est assez bon, ouais, le chef est plutôt pas mal. Ouais. Non, mais après, j'ai pas d'a priori sur les émissions. S'il y a un projet à défendre et que c'était le plateau qui est en mesure de mieux le faire, bah, oui, le faire, vous voilà. Allez, ouais. Voilà, il n'y a pas de. Ruquier ? Genre de truc où vous iriez ou l'émission de la, du ouais, soir qui dure super longtemps. Soir, ouais. Avec les snipers. Je suis pas fan de ça. Non. Je suis pas fan de ça. Alors peut-être que je le ferai un jour, j'en sais rien, mais je suis pas grand fan de ça. On m'avait proposé une fois. Êtes-vous sûr que les snipers aient aimé ce que vous faites ou votre film ou que vous défendez ou... Ouais, moi ça m'ennuie d'aller dans un truc et de me faire éclater. Ouais, bien sûr. Juste et de dire d'accord. Non, je n'ai pas forcément envie de ça. Très bien. On termine, Damien, c'est News Media avec Pierre Ménès. Chose très rare à la télévision, il a décidé de révéler son salaire. Effectivement, c'est une question tabou, Nicolas, vous le savez. Ah, alors, en télé, évidemment. Voilà. Oui. Alors bon, pour Pierre Ménès, c'est une façon de remettre l'église au centre du village, car le consultant qui officie chaque semaine sur Canal+, en avait un peu marre que des fantasmes circulent sur l'argent qu'il touche. Donc dans l'émission L'Instant de Luxe diffusée sur Non-Stop People, Pierre Ménès a déclaré cette semaine qu'il touchait dans les 11 000 euros par mois. Et il a également ajouté que le public allait juger que c'est beaucoup pour parler foot. Bizarrement, j'ai consulté les réseaux sociaux, cette information n'a pas suscité trop de réactions négatives, en tout cas pas autant qu'il en attendait. C'est son salaire de consultant sur Canal+, pour le Canal Football Club. Ouais. Ça vous choque pas, j'imagine, Thierry, vous avez l'habitude dans la télé, dans le cinéma, vous êtes payé des fortunes tous. Non, moi ça me choque absolument pas. Et puis je pense qu'aujourd'hui, 11 000 euros, en fait, c'est une petite somme par rapport aux sommes de fous dont on va parler pour les footballeurs dont Pierre Ménès parle. Ouais, donc là, il y a un écart, c'est même plus un écart. Non, ça ne me choque pas, ça ne me choque pas. Et ça ne m'étonne pas que les gens ne soient pas surchoqués de ce salaire-là. Ce côté tabou, c'est gênant. Évidemment, si je vous demande combien vous avez gagné pour coup de foudre à Saint-Pétersbourg, vous n'allez pas me répondre, bien sûr. Non. Mais Mimi Mathilde avait fait une fois ici pour un épisode de Joséphine, en expliquant après qu'elle gagnait 250 000 euros pour un épisode de Joséphine. Et qu'elle faisait vivre toute une prod derrière en mettant le nombre d'emplois que ça crée, oui, etc. Bien sûr. Et elle s'était fait, malgré ses explications, rentrer dedans par tout le monde en disant c'est scandaleux. C'est vraiment tabou en France de parler de ça. Ouais, c'est tabou, c'est comme ça. Aux États-Unis, ça l'est moins. Aux États-Unis, on est même plutôt fiers. Ah oui, on est fiers de l'argent qu'on a gagné. En France, voilà, c'est un peu délicat. Puis dans cette période, c'est encore plus délicat. Bien sûr. Voilà, donc bon, c'est un sujet.
Donc on fait attention et on ne parle pas. Vous avez voilà. dit, Pierre Ménès, ça reste Exactement. Une rareté. Merci beaucoup, Damien. On se finit pour aujourd'hui. Ah oui, c'est fini. Bah, vous savez, vu les 20 000 euros que vous m'avez donné pour ces 3 news médias, Nicolas, je ne vais pas en faire vous plus. Vous êtes payé 20 000 euros. Je vais réduire ça tout de suite. On passe tout de suite, évidemment, à la grande interview du Buzz TV avec Thierry Neuvik et toutes vos questions qui arrivent en direct sur Internet. J'ai peur. Coup de foudre à Saint-Pétersbourg, c'est le titre de la fiction qui sera diffusée ce soir sur TF1. Une fiction dans laquelle vous allez interpréter aux côtés d'Elena Noguera, hein, qui sera votre partenaire pour ce film, le rôle de Vania Belinsky, gérant d'un parc d'attractions en Russie. Oui, j'ai fait russe 12e langue à peu près, mais surtout j'ai été à Saint-Pétersbourg, donc je connais bien l'accent de Saint-Pétersbourg. Première question comme ça, on connaît un peu la série des coups de foudre, Thierry, sur TF1. Est-ce qu'il faut s'attendre à une histoire d'amour très calme, un peu cuculapraline, avec des bons sentiments, ou bien est-ce que ces deux tourtereaux qui vont quand même être embarqués dans des turbulences, des trucs un peu inattendu. Bon, il y a évidemment des turbulences, ça part même très mal dès le départ. Et cuculapraline, c'est très mignon hein, dans ma bouche. Oui, ça veut oui, dire que c'est dire que c'est des bons sentiments qu'on recherche tous. J'entends bien. Non, ça part pas forcément sur les bons rails. Hein. Ça se renifle, ça s'aime pas forcément trop, en tout cas de mon côté dès le départ. Mm-hmm. Elle prend une place qui me gêne un peu, elle veut en faire trop, enfin bref. Donc non, c'est ça. Il y a même une espèce de rivalité entre eux, hein, au départ, on va pas trop en dire, mais effectivement. Ouais, bah oui, il y a une rivalité, lui il est en place depuis un certain temps, puis t'as une trublion qui arrive comme ça, qui veut tout changer, tout révolutionner, donc évidemment que ça se passe pas bien d'office. Alors évidemment, on va pas spoiler le coup de foudre, on l'a dit, il est pas si évident que ça, mais comment cette espèce de relation va se créer au-delà des premières tensions? Ça va se faire sur quoi? Bah, quand il y a des problématiques qui arrivent et qu'on est obligé de se mettre en communion pour le régler et qu'on y arrive, bah forcément ça adoucit, qu'on regarde mieux l'autre, qu'on le regarde différemment, qu'on apprécie plus ce qu'il a fait. Et voilà, ça s'adoucit puis ça peut se joindre. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Le duo que vous formiez avec Elena Noguera, vous aviez tourné avec elle dans Mafiosa, hein, je crois, avant. Comment vous qualifieriez ce duo? Comment ça s'est passé entre vous sur le tournage? Bah, Elena, moi je la connais donc depuis longtemps, même avant Mafiosa. Et ce que j'aime beaucoup moi, chez Elena et qui était parfait là, pour le coup de foudre à Saint-Pétersbourg, c'est qu'Elena, pour moi, c'est un cocktail de sensibilité et de force, de fantaisie d'enfance. Donc ça collait parfaitement à ce registre-là. Et puis moi aussi, c'est des qualités que j'apprécie. Tout ce qui est fantaisie, enfance, ça me touche beaucoup. Donc voilà, moi c'était facile de travailler avec elle sur ce genre de projet. Je m'amuse beaucoup avec Elena. Elle a ce petit grain de folie aussi, tu entends, qui est nécessaire. Oui, elle est pleine de fantaisie, Elena. Ça passe du coq à l'âne en 2 secondes. Moi, ça m'amuse beaucoup de travailler avec elle. Donc, les retrouvailles, c'est un peu comme des vieux copains, c'est ça? Oui, très facile. Très facile. Damien? Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr. Alors, attention, il n'y a pas vraiment de questions gênantes pour vous dire la vérité. Nous ne sommes pas loin de demande en mariage. Ah, si, il y en a. Ça va pas tarder. La Camille, il est magnifique. Ah, c'est bon, vous êtes libre. Antoinette, voilà, et elle est également là. Très bon acteur, ça c'est Alain qui nous envoie ce commentaire. Alain. Et une question de Thierry sur Twitter qui souhaite savoir si vous pourriez endosser un nouveau rôle dans une série récurrente comme c'était le cas à l'époque de Mafiosa. C'est pour Thierry, c'est ça? Oui, ouais. Exactement. Ah bah voilà, Thierry, voilà. Il va vous répondre. Bah oui, Thierry, moi, évidemment, que si le projet m'intéresse, si sur la longueur c'est un personnage qui se développe, que j'y trouve un intérêt. Oui, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai pas de truc... Vous n'avez pas peur de vous enfermer dans un rôle, non, comme c'est le cas pour certains acteurs? Non. Bah, j'ai fait Mafiosa, je me suis régalé à le faire, et puis ça a un terme, et puis on passe à autre chose. Non, moi je n'ai rien contre les rôles récurrents en série. Alors évidemment, on en reparlera dans quelques instants. Elena Noguera, on en parlait avec vous dans ce rôle, elle était déjà votre compagne dans Mafiosa. Ouais. Est-ce qu'au final, c'est la meilleure amoureuse fictive que vous ayez dans votre vie? Allez-y, faites un classement balancé. Non, qui est votre meilleure amoureuse fictive dans tout ce que vous avez tourné? Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mes amoureuses. Vous avez plein de belles femmes. Bah, oui, j'ai eu beaucoup de chance. Allez, puisqu'on en est là, Elena est sur le podium. Allez, sur le podium, les amoureuses. Parfait. Ce qui vous a séduit dans ce rôle, Thierry, pourquoi vous l'avez accepté? Alors, c'est une collection hein, que fait TF1 autour des coups de foudre. Ce sont des comédiens, un couple de comédiens différents à chaque fois. Pourquoi cette série-là? Pourquoi cette fiction-là, un peu comédie romantique comme ça? Moi, j'aime déjà la comédie romantique. J'aime beaucoup ça. J'ai toujours aimé ça. Vous n'en aviez pas fait tant que ça, pourtant. Hein, plutôt polar ou...
J'en ai fait au cinéma, j'en ai fait. Comme Thie est belle, c'était une comédie romantique. Si, j'en ai fait. Mais donc oui, moi j'aime la comédie romantique. Et puis moi j'aime Noël sous la neige, j'aime les parcs d'attractions, j'aime les loups, j'aime les enfants qui rient, j'aime les enfants qui courent, j'aime les bonnets avec les pompons. Voilà, il y avait tout ça là-dedans, quoi. Donc voilà, cette magie-là, moi, ça me plaît beaucoup. Et là, cette diffusion, là, aujourd'hui, le 14 novembre, c'est pas un peu trop tôt, parce qu'on voit dès les premières images, on voit les Champs-Élysées avec toutes les guirlandes et les décos de Noël. Et Noël, c'est que dans un mois. Voilà. Oui, bah, ça nous prépare, ça nous met en jambes. Alors, ce qui frappe aussi dedans, hein, ce que les téléspectateurs vont découvrir dans la fiction, on voit la bande-annonce hein, qui passe derrière nous, c'est votre parfaite maîtrise de la langue russe. Ah ouais. C'est assez incroyable. Non, mais... Alors, parfaite pour vous peut-être. Non, mais on imagine c'est du tournage, mais vous parliez déjà le russe, vous avez appris pour le rôle. Comment je ne parlais absolument pas russe, ouais. Donc il a fallu apprendre. Donc, c'était du coaching accéléré, parce que les préparations, souvent, pour ce genre de choses, c'est assez court. Donc, c'était des cours intensifs chaque jour avec une prof de russe. Et puis, voilà, c'est faire du bourrage de crâne. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Dans un temps record d'apprendre autant de choses, et dans le téléfilm-là, il y en a beaucoup moins que ce qui avait été appris, ce qui était écrit, parce que voilà, les sous-titres, ça embêtait peut-être un petit peu, donc on a réduit ça. Mais j'en ai appris des tartines. J'ai eu des suées, quoi. Je me dis, mais jamais j'y arriverai en un temps record d'apprendre tout ça. Et prendre une chanson. C'est pas le même alphabet en plus. C'est pas du tout le même alphabet, c'est pas les mêmes sons, ils viennent pas du même endroit. C'était assez compliqué, mais moi après j'aime ça les langues, j'aime ça les accents, ça m'amuse beaucoup, donc je l'ai fait avec grand plaisir, mais c'était pas simple, c'était pas simple. Vous allez découvrir que vous êtes assez crédible en rôle physique russe, ce qui paraît assez faux, parce que vous pouvez jouer un Corse dans Mafiosa ou les Francis, et puis là jouer un Russe, et tout passe avec vous Thierry. Bah tant mieux. Vous connaissez ce physique slave potentiel en vous ou pas? Mais je crois que j'ai des origines slaves, parce que je suis pas au courant de toutes mes origines, mais je crois que j'en ai. Je crois que j'en ai, mais on m'avait dit ça une fois, j'avais fait il y a très très longtemps une pub, la seule de ma vie d'ailleurs, avec Michel Gondry, pour de la vodka, donc c'était diffusé Michel partout. Michel Gondry, c'est quand même classe. C'est ce qui était pas mal, un truc de science-fiction qui était super bien. Donc on avait fait ça, et pendant les essais de ce truc, les clients donc, de la marque d'alcool en question m'avaient choisi parce qu'on ne savait pas d'où j'étais. Italien, oui, il est italien. Oui. Il est américain, oui, il peut être américain. Il peut être slave, oui, il peut être slave. Donc c'est vrai que j'ai par chance, je peux me mêler à toutes les identités, enfin toutes les nationalités. Donc tant mieux. Un acteur en physique international ce matin sur ce plateau. Damien. Allez, Sacha sur Twitter, il souhaite savoir quel est votre pire souvenir lors du tournage de Coup de foudre à Saint-Pétersbourg. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué lors de ce tournage? En pire. Oui, en pire. Il faisait froid, c'était quoi? Les loups qu'on ah non, voit non, les loups, c'est génial. Moi, j'adore. Vous pouvez me faire tourner avec n'importe quel animal. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je les prends dans les bras, je leur donne à bouffer. S'ils m'emmerdent, je les dégage. J'ai aucune gêne avec n'importe quel animal. Mais sur la chaleur, oui, il y a des jours où il faisait très, très chaud. Ah oui. C'est-à-dire en mitouflé, les écharpes. Vous n'avez pas tourné en hiver? Non. Vous avez tourné plutôt au printemps, d'accord. Ouais, donc et donc, vous avez une équipe autour de vous en short et en t-shirt qui sont comme ça, et vous êtes emmitouflé, puis vous jouez le froid. Ouais. Ça, c'était un peu pénible. Et les moments où il n'y avait pas de vraie neige, donc il faut faire de la fausse neige, et ça, c'est un produit qui n'est pas agréable du tout à respirer. C'est assez chiant. C'est assez chiant. Donc voilà, mais après, en termes d'ambiance, je n'ai pas de souvenirs mauvais parce que ça a été franchement une franche rigolade, quoi. Alors, évidemment, la fiction française, on en parle, elle cartonne à la télévision. Je l'ai dit, le record pour un abattre, hein, pour vous Thierry, pour un coup de foudre. Ah non, je ne veux pas entendre. Je vous donne, hein, c'était le coup de foudre à Noël avec Thomas Sisley et Julie Debonnat qui avait fait 6,4 millions, voilà. À peu près. Le moins bon, il me semble que c'était le dernier en Andalousie, qui était à 4,8, etc. Il y en a entre 5 et 6. Qu'est-ce que vous visez, vous, ce soir un petit podium, un truc, le Laetitia Millot, coup de foudre à Bora Bora, est pas mal aussi à 6,1 millions. vous espérez les 6 millions? Il y a un match de foot, il faut le dire ce soir. Il y a un match de foot. Après, c'est pas le match de foot, c'est France-Moldavie, c'est pas le match le plus intéressant pas la peine du monde. De le regarder, en fait. On regarde en replay. Oui, c'est pas le match. Vous allez regarder le match, vous, ou la fiction? Je ne sais pas, peut-être ni l'un ni l'autre, peut-être, je sais pas, on verra. Mais non, sur les chiffres, après, évidemment qu'on souhaite le mieux, je vais pas vous dire que je souhaite. Non, évidemment. Après, moi, je ne vise pas le podium. En plus, sur des séries comme ça, souvent, les premiers ont l'avantage de ça, d'être de la découverte. Oui, la découverte, donc oui, ça. Après, sur le fil du temps, il peut y avoir une petite descente comme ça, même si l'intérêt reste. Évidemment, c'est vrai que c'est les premiers qui sont en haut de la liste. Hein, c'est toujours comme ça. La curiosité fait que, voilà. Mm-hmm. Mais on souhaite le mieux, évidemment. Mais après, moi, je ne vise pas particulièrement...
Podium, si, c'est, si, on y va, si on y arrive, super. Mais... Alors, de manière plus globale, je voudrais qu'on parle de la fiction française qui fait un véritable carton. Ça fait maintenant 2, 3, 4 ans que les fictions françaises battent les fictions américaines dont on parlait. La plus grande... À la télé française ? À la télé française, bien sûr. La plus grande série à l'heure actuelle en France, tout confondu, c'est Capitaine Marlowe, qui, qui réunit entre 7 et 8 millions de téléspectateurs à chaque fois sur France 3, qui est la plus grande série, toute série confondue. Comment vous expliquez aujourd'hui cet incroyable retour de la fiction française? À une époque, les séries américaines cartonnaient et pas les nôtres. Ouais. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, ça s'est complètement inversé, c'est assez incroyable. Bah, c'est surtout au niveau de la qualité, je pense, hein, puisque on a eu un flot de séries américaines de grande qualité, et puis nous, on restait encore un peu avec nos vieux schémas. Bah, on s'est adapté, on s'est mis au niveau. C'est la qualité, c'est ça qui fait vraiment la différence pour vous aujourd'hui? Bah, je pense, sinon quoi? C'est, on s'est mis au niveau, on écrit différemment, on s'inspire d'eux, on écrit mieux. Donc voilà, et puis c'est payant. Est-ce que le fait de voir aussi beaucoup de comédiens maintenant de cinéma qui n'hésitent plus à revenir en télé ou à faire des allers-retours, c'est aussi évidemment important? Josiane Balasco récemment, qu'on va voir dans le Bazar de la Charité la semaine prochaine, qui disait aujourd'hui je préfère mille fois ce qu'on propose en télé, les rôles sont beaucoup plus riches et plus intéressants qu'au cinéma. Ouais, puis dans plein de séries, même dans Capitaine Marlowe, moi j'ai vu plein de guests du Cadmérade, du Gérard Depardieu, enfin il y en a plein. David Suchet, Hercule Poirot. Ouais, il y en a plein maintenant qui y vont et c'est très bien, c'est très bien. Mais c'est vrai que la télé maintenant, a monté en qualité. Et puis au cinéma, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été scotché par un film français au cinéma. Et que c'est vrai que la culture de la série a tellement pris une ampleur de fou que les gens, chez eux, ils se mettent à regarder plus de séries. Je ne sais plus quel metteur en scène américain disait qu'il s'éclatait plus maintenant à faire des séries que faire des longs-métrages. Et puis les longs-métrages, c'est David Fincher, peut-être. Réalisateur, Voilà, absolument. Et qu'aujourd'hui, monter un film au cinéma, c'est d'une complexité sans nom. Et puis, ça ne marche pas forcément derrière. Donc oui, maintenant, comme il y a la qualité à la télé, évidemment que les acteurs qui ne faisaient que du cinéma n'hésitent pas à aller dans les trucs de qualité à la télé. Puis ça a un impact beaucoup plus grand aujourd'hui. Bien sûr, ça touche beaucoup plus de monde. On va en reparler dans quelques instants. Damien. Justement, en parlant de cinéma, une question de Véronique sur Twitter qui souhaite savoir si vous irez voir le film de Roman Polanski qui est actuellement au cinéma et qui d'ailleurs signe un démarrage incroyable. Ça s'appelle J'accuse, sur l'affaire Dreyfus. Ouais, il y a eu toute la polémique qui est en cours encore. Est-ce que vous faites une différence entre l'homme Polanski et les films qu'il réalise? C'est la question simple qu'on pose un peu à tout le monde, c'est vrai. J'ai l'impression que quand c'est sur le moment à chaud, c'est dur de faire la séparation des deux, quand c'est vraiment à chaud. Après, moi, à terme, oui, j'ai lu Céline. Peut-être que je n'aurais pas lu Céline au moment où le livre est sorti et le bonhomme était là. Etc. Voilà. Donc, j'en sais rien. Sur à chaud, je comprends que c'est... Et puis, c'est évident que c'est dur de séparer les deux. Après, avec le recul, on peut se mettre à regarder un film parce qu'on va vraiment regarder qu'un film sans être embarrassé de toute la polémique autour. Donc, voilà, c'est assez complexe. Comme, c'est un vrai débat à avoir, c'est compliqué. Ça faut des heures pour en parler, c'est pas en 10 secondes là. Mais c'est compliqué. Je comprends après les acteurs qui annulent la promo parce que... Jean Dujardin ou les autres. Louis Garnel. Parce qu'on va leur parler que de ça. Ouais, et puis c'est normal, c'est évident. Donc c'est complexe. C'est un vrai débat à avoir qui prend du temps. Absolument. Il faudra sans doute une réponse un peu plus tard. Je voudrais qu'on reparle évidemment de ces fictions. Vous êtes un acteur qui fait du cinéma, qui fait de la télévision. Aujourd'hui, dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise, j'allais dire, Thierry, et surtout dans lequel... on vous propose le plus de choses intéressantes. Est-ce que c'est la télé aujourd'hui définitivement qui peut vous proposer le plus de diversité, j'allais dire, dans les rôles? C'est vrai que moi, la télé, depuis tout le temps, m'a proposé plein de trucs différents, plus qu'au cinéma. Étrangement, les trucs que j'ai fait un peu différents au cinéma, c'était pas en France, c'était aux États-Unis. Après, ce que je préfère, moi, c'est pas une question de support, je me fiche du support, en fait. Je m'en fous que ce soit sur le net, sur la télé, au cinéma. Moi, ça m'est complètement égal. Moi, c'est le projet, c'est mes partenaires. C'est le package du truc. Je me fiche du support. Aujourd'hui, il n'y a plus de ça c'est mieux, ça c'est moins bien. On regarde ce qu'on a envie de regarder. À partir du moment où c'est bien, on regarde ce qui est bien, ce qui nous plaît. Peu importe le support, moi je me fous du support complètement. Est-ce qu'il y a toujours cette espèce de snobisme, de vraie barrière entre le cinéma, la télé aujourd'hui? Ça existe encore. Dans le sens télé-cinéma, c'est ça? Des acteurs trop marketés télé ou étiquetés télé qui ont du mal au cinéma. Mais oui, ça existe. Vous me parliez tout à l'heure, on ne va pas citer, mais on s'en fiche. Ouais. Vous me parliez tout à l'heure d'acteurs qui ne voulaient pas faire telle couverture ou d'actrices parce que c'était marqué trop télé ou ceci. Vous m'en parliez tout à l'heure. Le TV Magazine, bien sûr. Voilà, vous m'en parliez tout à l'heure. Donc ça existe encore. Ce qui est fou, parce que alors ça, pour le coup, c'est très, très, très français. Moi, j'ai vécu 2 ans et demi à Lisbonne, par exemple, au Portugal, il y a longtemps. Le problème ne se pose même pas. Les acteurs vont faire une pub pour du café, puis ils vont jouer au théâtre, ils vont faire un telenovelas, puis après un film.
Les gens travaillent, point. Comme aux États-Unis d'ailleurs. Comme aux États-Unis, point. Fiche, les pays anglo-saxons. Il n'y a qu'en France qu'il y a un peu ce truc de snobisme qui se regarde en chien de fusil comme ça, pourtant l'un a besoin de l'autre. Mm-hmm. Mais on fait des échelles de valeur, ce qui est absurde totalement. Vous savez qu'on rappelle que notamment la télévision finance en grande partie le cinéma en et plus, les films de, plus, de cinéma. En plus, oui, en ce plus. Qui est, ce qui est vrai. Donc c'est totalement absurde, mais ça existe encore. Mais ça existe mm-hmm. en, c'est moins qu'avant. Mais ça existe encore. Dans le sens plutôt télé vers cinéma. Parce ouais. qu'on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs de cinéma qui font des, ouais, ouais. qui font des allers-retours. Je sais que c'est maintenant. Difficile pour certains acteurs de séries télé d'aller au cinéma, où on leur mm-hmm. c'est un peu bloqué. Quoi. Mais c'est absurde. Et c'est... alors, vous parliez tout à l'heure des plateformes, disons que vous étiez devenu un peu accro. Vous aussi, à ces plateformes, Amazon, Netflix, OCS, on en cite évidemment plusieurs. Les dirigeants d'Amazon Studios ont annoncé leur désir d'intensifier la création française sur mmh. Amazon Prime Video aujourd'hui. Deux séries qui se déroulent dans les années 60 vont bientôt arriver. Bien évidemment, on voit qu'il y a un gros investissement. Netflix va mettre plus de 200 millions d'euros en 2020 sur les fictions françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est comédien comme vous, on a aussi intérêt à aller sur ces plateformes et à regarder un petit peu ce qui s'y passe? Ben, intérêt, bien évidemment. Ouais. Si c'est comme ça que ça marche, c'est par là que ça passe. Oui, il faut regarder et puis il faut s'y intéresser. Évidemment, c'est, tous les nouveaux trucs, il faut regarder. Il ne faut pas rester en arrière du train en permanence. Donc oui, moi je regarde. Là, je vais faire d'ailleurs un truc au mois de mars pour Netflix. Une série? Ouais, une mini-série d'accord. Pour Netflix en mars. Française ou américaine? Non, française, là, pour française, le coup. D'accord. Donc voilà, oui, il faut s'intéresser à tout ce qui est nouveau et qui arrive, bien sûr, on ne va pas rester dans son coin, sur ses vieux schémas, évidemment. Et à prendre le train en marche, comme vous disiez. Damien. Une question de Sandrine sur Twitter qui souhaite savoir si vous pourriez endosser un rôle aux côtés de votre ex-compagne, Jennifer, à la télévision. Vous l'avez déjà fait, je crois, au cinéma. Hein. Oui, sur les Francis. Les Francis, c'est ça, oui, c'est exactement. Ça, absolument. Ah oui, c'était une compagne de cinéma aussi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Qui est, Jennifer, elle est très curieuse, ouais. Valérie, comment elle s'appelle? Oui, Sandrine. Sandrine. On voit de temps en temps à la télévision aussi sur TF1. Ah non, la question c'est quoi? Est-ce que vous pourriez rejouer avec elle si jamais c'est une fiction? Bah oui, pourquoi pas. Si le projet est intéressant et que ça convient à tout le monde, oui. Et qu'elle joue beaucoup en télé maintenant aussi, dans des nouvelles fictions, absolument. Vous avez joué dans Belle et Sébastien 3, C'est quoi cette mamie? Est-ce que récemment, est-ce qu'il y a d'autres projets au cinéma, Thierry? Pour vous qui arrivez, on parle beaucoup de télé, ouais. Vous avez parlé des plateformes, vous avez joué dans une série Netflix en mars. Est-ce que le ciné aujourd'hui, il y a encore d'autres projets ou est-ce que c'est quasi Je ne sais pas trop, mais même, alors moi je ne sais pas, mais je ne me suis jamais projeté vraiment très loin. Je ne sais jamais ce que je vais faire dans 6 mois en fait, moi là, à part la mini-série que je sais pour Netflix. Moi ça a toujours été flou. C'était comme ça depuis le début. Je ne sais jamais ce que je vais faire dans 6 mois, où je vais être, je n'en sais jamais rien. Mais pourtant vous bossez tout le temps. Donc, pourtant je bosse tout le temps, très souvent. Mais je ne sais jamais vraiment à l'avance, quoi. Il y a toujours des trucs qui tombent comme ça d'un coup d'un seul. Alors, je crois qu'il parle d'un c'est quoi cette famille 3 au cinéma. Oui. Parce que le 2 a fait un carton. Voilà. Mais je ne sais jamais vraiment à l'avance. Jamais. C'est un peu un flou permanent. Pas très rassurant tout le temps, mais... Non, mais c'est plutôt... Mais ça se passe bien, donc tout va bien. Après tout, c'est très bien également. Merci beaucoup, en tout cas. On va passer tout de suite à notre rubrique de fin. Sucré, salé, celle que tous les internautes attendent avec impatience. Sucré-salé, c'est notre rubrique. Je vous soumets deux propositions, Thierry. Vous choisissez. C'est très dur de choisir dans la vie, on le sait. Ben mais si vous n'en deviez en retenir qu'une seule, laquelle ce serait? Est-ce que vous êtes plutôt Elena Noguera ou Juliette Binoche? Oui, c'est très difficile. On va démarrer comme ça. Ça va être très, très dur. Juliette Noguera? Oui, Juliette Noguera. C'est facile, ça. Hein, un petit peu facile. Plutôt Robert Downey Jr. ou Matt Damon? Deux comédiens avec lesquels vous avez tourné, hein, d'ailleurs, ouais. Dans Sherlock Holmes. Ah, j'ai une petite affection pour Robert Downey Jr. Ouais. J'avoue. C'est quoi un truc En tant qu'acteur, les deux, je les trouve formidables, bien évidemment. Mais c'est vrai que Robert Downey Jr. sur Sherlock Holmes 2, ouais. Je me suis retrouvé devant un type, déjà d'un talent fou. Je le regardais travailler, c'est assez impressionnant. Et puis d'une générosité assez rare. Moi, j'arrivais sur ce truc en français, un français qui arrive là-dessus. Et le mec m'a pris dans ses bras très vite, m'a vu travailler et répéter. Il m'a dit « Putain, t'es super, t'inquiète pas, viens, t'es de notre famille. » Quand il allait au combo, il me dit « Viens, t'es de ma famille, viens, on se vient. » Il parlait de moi à tout le monde. Voilà, et puis je suis impressionné par son travail. Vous avez été pris dans les bras d'Iron Man quand même. Ouais. L'acteur le mieux payé du monde aujourd'hui, hein, ouais. sur l'année dernière. Donc voilà, j'ai une petite affection pour Robert Downey Jr. Vous êtes toujours en contact avec? Non, mais c'est sur le moment, c'était, voilà, j'ai trouvé ça super de sa part, il n'était pas obligé, quoi. Paris ou Saint-Pétersbourg? Alors, je vais vous avouer que Saint-Pétersbourg, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Absolument. Je ne connaissais pas. Donc, le jour où je visiterai, je reviendrai vous dire Saint-Pétersbourg. Parce que vous avez tourné la fiction à Prague. À Prague, ouais, hein, c'est ça. Cinéma ou télévision?
Si vous deviez choisir, si vous deviez en avoir qu'un au final. Si je devais en avoir qu'un, peut-être cinéma, parce que j'aime bien les émotions communes. Moi, j'aime bien les salles où les gens rient en même temps, ou pleurent en même temps, où lui rigole et puis lui pleure. Aller en salle, ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Plateforme de vidéo à la demande, type Netflix, ou télé, classique. Au jour d'aujourd'hui, plateforme, elle me satisfait plus que la télé classique. Termes de contenu. Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup Thierry Novick. Merci. Je rappelle évidemment qu'on vous retrouvera dans Coup de Foudre à Saint-Pétersbourg. C'est ce soir, 21h05, sur TF1. Si le match France-Moldavie ne vous intéresse pas, on est déjà quasiment qualifié, donc c'est pas très grave. Ce sera Coup de Foudre, évidemment, sur TF1. Et nous, Damien, on sera là dès demain. Ah oui, demain, rendez-vous à ne pas rater parce qu'on reçoit une actrice qui va participer à l'un des plus gros paris financiers de la saison de TF1. C'est une fiction qui va arriver la semaine prochaine. Ça s'appelle Le Bazar de la Charité. Demain, produit par Netflix, d'ailleurs. Exactement, oui, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, une plateforme de vidéo à la demande également. Demain, nous recevrons Camille Lou, peut-être accompagnée d'un autre acteur ou d'une autre actrice. Vous verrez, ce sera la surprise. Si c'est réveillé. Les fans seront bien sûr rendez-vous demain matin, 9h30 pour un nouveau Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous. Salut.